Aux premières chaleurs de l'été, un vent nouveau souffle sur le cyclisme tricolore. Cette année, un coureur de 3e division a réussi un gros coup, empocher le maillot bleu, blanc, rouge. C'est vraiment une fierté de porter ce maillot. C'est vraiment là le premier jour que je roule avec et ça me fait vraiment réaliser plus que tout que je suis pour de vrai champion de France. Steven Tronet, 28 ans. C'est un petit gars du Nord installé depuis 6 mois dans le Sud. Ce Calaisien a déménagé à côté de Carcassonne, un choix familial et sportif, avec à la clé la plus grande victoire de sa carrière. Steven Tronet, champion de France. Ah, c'est la grande surprise, c'est l'énorme cote. Au début, ça paraît irréel, je passe à la ligne d'arrivée, je lève même pas les bras, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, j'entends Daniel Manjas me citer Steven Tronet, champion de France, et c'est vraiment 10 mètres après la ligne d'arrivée que je me rends compte que je suis champion de France. Le staff, le directeur sportif, le manager de l'équipe, c'est vraiment une vraie famille, quoi. On est tous ensemble, donc je pense qu'ils étaient au moins aussi heureux que moi, quoi. Quand je suis arrivée au podium, il attendait pour monter sur le podium et là j'ai ça dans les bras et il était assis tout seul sur son siège et il pleurait tout seul. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai une photo de lui, il est assis, enfin tu te demandais ce qui t'est arrivé, là ouais. C'était... Quelle émotion, Ça hurlait tellement, les gens partageaient notre joie et nous serraient dans leurs bras et tout, alors qu'on les connaissait pas, on s'embrassait tous et on criait, voilà, c'était merveilleux, un instant unique. Unique. Et pourtant, Steven Tronet n'exhibera pas son maillot tricolore sur le tour. Pas de grande boucle pour lui et son équipe Aubert 93. Le Calaisien opte donc pour des vacances amplement méritées. Mais qu'on se le dise, le coureur calaisien espère un jour sillonner les routes du Tour, avec ou sans maillot tricolore.